Bienvenue sur Téléternel, BST du CGT. Alors attends. Bienvenue sur Téléternel du Conseil Galactique Temporel. Aujourd'hui étaient les 55 ans de ma Florence Marie. Premier ange que j'ai commandé au bon Dieu et qui est vraiment mon ange de survie. Tu vois, 55 baluches. Bon. Mais le problème n'était pas là. Faut que je fasse le film et je vais le faire comme ça. Ce matin, avant la gym, c'est le vendredi à gym. Bon, ok. Tu vois, c'était génial. Toute la journée était géniale. En fait, j'étais béni par, je sais pas, les anges bleus, les anges verts, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Maintenant, conseil galactique temporel, chevalier galactique temporel ou conjugateur galactique temporel, ça veut dire un truc, tu vois. Ça va pas vite. Nous sommes dans la cabine de pilote âge. C'est pour changer d'air et d'air. Tu vois. Les marsupilamis, les machins, les hop. Bon, c'est rigolo, 5 minutes. Ici, on ne vend pas son âme. Vous êtes bien sur Téléternel. Attention. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Après la gym, me suis mis sur ma cagette. En face du 35 boulevard de Riquier, là où il y a la tache blanche, et en fait, il y a deux miroirs. Et en fait, comme c'est en face du 35, c'est pour expliquer la trilogie de quintessence. Bon, vous n'allez rien comprendre, mais je vous explique, comme ça, vous serez obligé de comprendre. Comme ça. En fait, tu t'assois, toi, car n'oublie jamais qu'aujourd'hui n'est que l'hier de demain. En fait, si tu t'assois du côté extérieur, tu représentes le futur. Après, tu te vois dans la première vitre, elle représente le présent. Après, tu te vois dans la troisième vitre, elle représente le passé. Comme ça. En fait, ça fait des couloirs. Mais si tu te mets avant toi, au milieu de l'autre, au milieu de l'autre, au milieu de l'autre, ça commence à faire carrément une trilogie de quintessence. C'est pour expliquer l'espace-temps. Et en fait, toi, tu es au milieu. Mais tu te regardes et tu te vois deux fois, donc tu es le troisième, comme ça. Compliqué, hein? Et en fait, tu as le passage des voitures d'un côté. En fait, tu as deux couloirs de force et d'énergie. Ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe en vrai, ce qui se passe au ciel. Je sais pas. Alors, suivant de quel côté tu te places, c'est pas du tout pareil, tu vois? Soit tu vis la rue, soit tu vis l'espace-temps, soit tu vis les galaxies. C'est pour ça que j'étais alcoologue assermenté. Non, non, c'était pas alcoolique anonyme. Non, non, pas du tout. En plus, j'avais les quatre alcoologues assermentés, il y a qu'à dire assistés, et assez conséquent. Inconséquent. Oh, ben c'est moi. Hein. En mode crise de Nice, attention. La conférence a été bien. Hein. Oh, en ce moment, je vois des trucs, c'est pas mal. Tout ça pour dire que, attention, l'apocalypse de Saint-Jean, on y est à peu près comme René Barjavel dans Ravage. Bon, évidemment, il faut avoir lu, faut avoir quand même des connaissances. C'est pas du Ozivore. Tu vois. Faut avoir un minimum de tronche. C'est pas parce que tu fumes, tu bois que voilà. Tu sais, c'est déjà éteint. Tu vois le truc? C'est comme si, c'est comme ça, eh ben tu chauffes ou tu chauffes pas. En tant que miséricordieux. Pas grand chose, mais aujourd'hui je ramasse pas des mégots par terre parce que Florence m'a laissé un fond de tabac. C'est l'anniversaire de Florence Marie, tu vois. La première fois que j'ai prié le bon Dieu, je dis envoie-moi le meilleur de tes anges, et ben c'était Florence, mais je le savais pas moi. À 20 ans, tu as envie de tirer ton cou, tu as envie de baiser, tout. Et l'autre Florence, là, le serpent, la flo numéro 2, pour ça que Philippe il m'en veut maintenant, c'est compliqué. Hein.
Pas de ma faute, c'est une reptilienne. J'ai rien dû dans mon calbut. Oh oui, défonce-moi l'anus. Oui, bah alors ça, faut pas le dire, parce qu'il y a des enfants. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Bien sûr que oui. Mais normalement, non. Il y a des trucs, ça fait du mal à... au pseudo-humain. Même s'ils n'ont jamais rien compris de la vie, ils font ce qu'ils peuvent. Tu sais. Ils croient qu'ils font bien. Tu crois toujours que tu fais bien. C'est comme ça que tu fais mal, en fait. C'est pour ça que toutes les vérités sont bonnes à dire. Pourquoi le monde y va pas bien? Parce que vous mentez tous pour de l'argent. Tu chauffes ou tu chauffes pas? Tu vois le truc? Quand même. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça, on verra bien. En cette fin du 23 pour le 24. Mais moi, j'étais pas méchant pour un sou. Sans... les trucs, les dégâts matériels, les méfaits matériels, j'en ai absolument rien à foutre. Le vernis à poufias, les trucs qui brillent, j'en ai absolument rien à branler. Tu vois? Quand ça déborde dans le machin, là, dans le système, une bonne branlette et c'est terminé. L'histoire du mariage, ça m'a abattu. L'histoire de l'Europe. Ils mentent tous. Vous mentez tous, en fait. Pour la résistance, on dirait que je suis tout seul. Il n'y en a pas un qui répond à mes appels. J'écris des formulaires, j'écris des machins. Bon, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Pour l'instant, je suis pas emmerdé. Il y a pas grand monde à rédempter, on va dire. Tu vois? Tu chauffes ou tu chauffes pas, tu fais comme tu veux. Tu vois? Quand même, il y a une bonne femme, elle a des couilles. Elle parle sur l'islam. Mais elle se trompe. Parce que moi, j'ai lu le Coran en français. Y a même pas un seul chapitre. Il y a une sourate ou quoi qui dit, bon, si ton ami t'emmerde, tue-le. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer tout le monde. Après, ce monde qui transbahute le Coran comme il veut. Et puis, comme c'est les puissances médiatiques, ils cultivent le racisme, ils veulent. Il faut comprendre, il y a un problème qu'il faut comprendre. Seulement, si vous cherchez vos réponses à BHL TV ou un truc comme ça, vous ne pourrez jamais comprendre. Il faut ouvrir ton esprit, il faut ouvrir ton cœur. Comme a dit la bonne femme hier, il faut comprendre l'invisible. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous avez vos réponses à la télé. C'est, tout est fait en sorte pour que tu comprennes rien, en fait. Pour que le bon Dieu t'échappe. Tu vois? Bon Dieu, c'est vrai. Ça veut dire directeur d'induction d'énergie universelle, ça veut dire. C'est pas compliqué. Diable, ça veut dire directeur d'intelligence artificielle bernant l'esprit. C'est pas compliqué. Alors moi, je vous explique de la cabine de pilotage pendant que je m'en chie un bon coup, comme ça. C'est moi, quand je fais de la merde, je sais pourquoi je le fais. Mais vous ne savez pas. Tu vois? Une histoire d'espace-temps. Il y en a de plus en plus qui parlent d'espace-temps. Par contre, il n'y en a pas un qui parle de supraconduction synapsoïdale pour l'instant. Mais ça va pas tarder. Je le sens. Elle était super la conférence sur MDA, non, MM, non. Assistance médicale. Bon, je sais plus. C'est pas MDMA, mais c'est. Bon, je l'ai mis. Il y a 8 films. Les 5 premiers films. C'est les gens qui parlent de la conférence. Et les 3 derniers films, c'est les gens qui parlent. C'est le temps de parole. C'est ça que j'aime le mieux. Au film numéro 6, salope, ça déchire. Enfin, ça déchire. Et c'est comme ça que, résultat du compte-rendu du Bordule, ben finalement, le rabbin, il comprend rien, l'imam, il comprend rien, et le prêtre catholique, il comprend rien. C'est pour ça que j'étais protestodoxe, bouddhiste tibétain, brahmo cistercien. En fait, l'âme, ah oui, c'est Dieu. Mais non, mais l'âme, c'est quand t'es vivant, gars. Tiens. On dirait qu'ils sont sous-développés du bulbe, mais ils sont sympas, hein. Attention. Puis la salle était bien. Bon, l'acoustique était pourrie, la sono c'est de la merde. La salle du CUM, centre universitaire.